Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes 4 coupons que j'ai fait sur 2 événements paris sportifs. Le premier est sur les matchs du retour de la demi-finale de la Ligue des Champions et le deuxième est celui des matchs de la Ligue Europa. Alors en tant que parieur, je vous invite massivement à regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de bien tirer et sélectionner les pronostics foot qui vous sont un peu convenables. Pour le coupon passé, je l'avais perdu parce que j'ai choisi pour l'équipe de Inter de Milan, mais malheureusement cette équipe s'est fait battre par l'équipe de Sassuolo à un score de 1-0. Mais avec ce nouveau coupon, je vous invite massivement à regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de bien sélectionner et tirer les pronostics foot qui vous sont un peu convenables à travers les 2 événements paris sportifs. Voici en quelque sorte mes 4 options que j'ai pu choisir pour ces 2 événements paris sportifs. À une cote de 4,037, j'ai misé 100 000 et dès que ça va passer, je gagne comme gain potentiel 403 731 francs. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, alors veuillez cliquer sur le bouton s'abonner qui est à côté et activer la cloche de la notification pour ne plus manquer aucun de mes prochains événements paris sportifs, parce que ici je vais toujours partager avec vous comment gagner au paris sportif au cours de cette saison footballistique, comment jouer des jeux sur Insbet, comment jouer des jeux sur Insbet et Betunet afin de gagner un peu d'argent. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui est à côté et activer la cloche de la notification pour en faire partie dans notre communauté. Et s'il vous plaît, aimez la vidéo et on passe au détail. Le premier match opposant l'équipe de Paris Saint-Germain et Borussia Dortmund. Ici, nous sommes en Champions League. Dans cette nouvelle rencontre qui oppose Paris Saint-Germain et Borussia Dortmund, j'ai choisi dans le temps réglementaire total de plus de 0,5 buts pour l'équipe de Borussia Dortmund qui est à l'extérieur. Même si cette équipe de Paris Saint-Germain est sur le point de faire une remontada, cette équipe de Dortmund qui est à l'extérieur va marquer au moins un but sur le terrain. La cote est 1,46. Le deuxième match oppose l'équipe de Real Madrid et le FC Bayern Munich. Dans cette rencontre, pour des personnes qui n'avaient pas regardé le match aller, les deux équipes avaient fait match le soir 2-2. Pour cette nouvelle rencontre, j'ai choisi victoire directe pour l'équipe de Real Madrid soit V1, la cote est 1,85. C'est maintenant Bayern Munich qui va se déplacer à domicile de Santiago Bernabéu pour disputer les matchs du retour de la Ligue des Champions. Et notons que cette équipe de Real a déjà officiellement gagné le championnat de la Liga et n'a pas le choix que de se concentrer uniquement sur la Champions League. Donc pour ce faire, sans hésiter, j'ai choisi victoire directe pour l'équipe de Real qui est à domicile soit V1, la cote est 1,85. Alors voici en quelque sorte mes 2 options que j'ai pu choisir pour les matchs du retour de la demi-finale de la Ligue des Champions qui auront lieu uniquement le mardi et le mercredi. Qu'en pensez-vous? Veuillez mettre en commentaire vos avis sur mes analyses afin que nous puissions tirer ensemble de bonnes conclusions. Le deuxième événement paris sportif est fait pour les matchs du retour de la Ligue Europa qui auront lieu uniquement le jeudi. Le premier match oppose l'équipe de Atlanta et Olympique de Marseille. S'il vous plaît, veuillez me donner un gros pouce bleu. Nous sommes plus de 4000 personnes sur la chaîne YouTube. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'à 500 j'aime? Donc veuillez aimer la vidéo et on passe au détail. Le premier match oppose l'équipe de Atlanta et Olympique de Marseille. Dans cette rencontre, les deux équipes avaient déjà enregistré match lors soit 1-1 pour les matchs aller. Donc pour cette nouvelle rencontre, j'ai choisi double chance pour l'équipe de Atlanta qui est à domicile dans le temps réglementaire. La cote est 1,23. Le dernier match oppose l'équipe de Bayer Leverkusen et AS Roma. Dans cette rencontre, j'ai choisi dans le temps réglementaire l'option de plus 1,58, ce qui montre qu'il aura au moins 2 buts sur le terrain. La cote est 1,21. Les deux équipes avaient déjà fait 2-0 en faveur de cette équipe de Bayer Leverkusen qui est maintenant à domicile. Donc j'ai choisi, pour éviter les risques, j'ai choisi l'option de plus 1,58 dans le temps réglementaire, ce qui montre qu'il aura au moins 2 buts sur le terrain. La cote est 1,21. Pour des personnes qui souhaitent recevoir le code du coupon, veuillez cliquer sur le premier lien qui est en commentaire afin de me rejoindre dans mon canal Telegram. Comme ça, vous aurez le code du coupon pour jouer ça dans Betunet. Veuillez cliquer sur le bouton s'abonner qui est à côté et activer la cloche de la notification pour ne plus manquer aucun de mes prochains événements paris sportifs. Parce que si vous voyez que moi j'ai ce montant dans mon compte, moi je ne fais pas uniquement le pari, mais je joue des jeux tels que Team Balls, des jeux tels que Crash, des jeux tels que Under and Over 7. Alors,
Veuillez cliquer sur le bouton s'abonner qui est à côté et activer la cloche de la notification pour ne plus manquer aucun de ces occasions. Et utilisez le code promo CAMI pour s'inscrire sur la Bettunet et MailBet afin de gagner les 200% de bonus. Allez, ciao, gagnons ensemble.